Bonjour, nous allons voir ici donc comment créer une comptabilité, une société sur EBP. On fait créer un nouveau dossier. Vous voyez, ça prend un peu de temps donc. Suivant. Donc là, vous dites que les applications incluses dans ce dossier sont gestion commerciale, la paye, les immobilisations et la compta en ligne. Comme ça, le dossier fonctionnera avec les quatre applications. Là, vous dites que vous allez travailler sur un poste client-serveur, c'est-à-dire que sur notre base, nous allons avoir donc à la fois le poste client et le poste serveur pour fonctionner en localhost. Suivant. Du dossier, ça va être meuble concept. Donc là, vous avez toutes les informations relatives à votre dossier qu'il faut remplir par rapport au document que vous avez sur la page 1.13. Si j'ai rempli les informations concernant, en un premier temps, donc, l'entreprise, la forme juridique, etc., les personnes qui sont responsables de leur adresse. Sur le deuxième écran, nous saisissons donc les coordonnées, surtout fiscales et les SIRET de l'entreprise. Pour trouver le numéro de TVA intracommunautaire, ben, on prend FR, c'est la France, et on divise le numéro SIRET par 97, et on met comme chiffre, justement, 50, qui est le reste de la division par 97. On les fait sans problème. Donc, puis les informations par rapport à la paye, le code d'initié étant les 5 derniers chiffres à la suite du RCS.